Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube Exchange a Blade. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui peut être un problème extrêmement frustrant lorsque vous suspendez des cloisons sèches, la pose de boîtiers électriques, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de faire plus qu'une coupe ou d'avoir à faire beaucoup de réparations après coup. Pour ce faire, nous allons utiliser un nouvel accessoire d'Exchange a Blade, la mèche spirale pour cloisons sèches. Les nouvelles mèches spirales pour cloisons sèches Exchange a Blade et Stay Sharp sont offertes en paquet de 5. Elles ont une tige de 1/8 de pouce et sont compatibles avec toutes les scies à spirale standard. Il existe de nombreuses marques sur le marché et ce n'est pas un outil particulièrement coûteux. Elles ont une pointe de forage, une surface de guidage plate, et des couteaux en spirale qui enlèvent les débris des cloisons sèches. Voici une situation typique lorsque vous installez des cloisons sèches. Une boîte électrique se trouve à l'intérieur du mur. Voici une boîte électrique standard et une boîte octogonale standard. Normalement, les boîtes seraient câblées, mais pour cette démonstration, nous n'avons pas installé de câblage aujourd'hui. Si vous voulez éviter une autre visite de votre électricien, assurez-vous de bien enfoncer les câbles au fond de la boîte. De cette façon, vous éviterez de les couper ou de les effleurer lorsque vous couperez le tour. D'abord, je vais maintenir en place la feuille simplement avec 3 vis. Parce que le boîtier dépasse le poteau, il poussera la feuille d'autant. Maintenant, j'ai mesuré à partir du haut de ma feuille et je sais que je vais descendre entre 16 et 25 pouces. Il n'est pas nécessaire que la mesure soit précise. Il peut s'agir de 16,5 ou de 17 pouces. Ce que je recherche, c'est un endroit où je peux pénétrer à l'intérieur de chaque boîte. Alors, avec la cloison sèche qui recouvre la boîte, je vais plonger cette mèche dans la boîte. Puis je vais la diriger vers le haut. Maintenant, rappelez-vous que cette petite pièce guide ici ne va pas endommager les couteaux. Elle va courir le long du bord de la boîte. Donc, je vais percer à l'intérieur de la boîte et dès que j'arriverai à ce bord, je vais retirer la mèche et la réinsérer juste à côté. Je suis maintenant à l'extérieur de la boîte. Une fois à l'extérieur de la boîte, je dirige la mèche le long de la boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout comme avec une toupie. Donc, dans le sens anti-horaire. Je vais monter, passer par-dessus la bosse, descendre le côté tout en longeant la boîte. Je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de pression. Je veux rester en contact avec la boîte. Une fois que j'ai fait le tour, j'ai une coupe parfaite autour du périmètre extérieur de la boîte. Maintenant, nous avons nos deux découpes parfaites. Nous pouvons terminer le travail avec notre boîtier électrique. Si vous aimez ces vidéos, nous en produirons davantage au cours des prochains mois. Vous pouvez nous aimer sur Facebook, Instagram ou vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur eabtool.com et vous inscrire à notre liste de diffusion afin que nous puissions vous informer de la disponibilité de nouveaux produits et de nouvelles vidéos. Merci.